Bien ou mal luné pour commencer l'année, c'est toute la question. C'est ce qu'on va regarder ensemble à travers cet horoscope de la Lune. Juste le temps de régler mon écran, j'aime bien être en face. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder ensemble les mouvements de la Lune et puis les interactions que ça va avoir avec nous. Je vais regarder les mouvements de la Lune à travers le cycle que va réaliser l'astre lunaire, notre satellite, du 1er janvier jusqu'au dimanche prochain, 7 janvier. On va regarder ensemble parce qu'il y a des mutations, des évolutions, des changements. Et puis, je vais vous donner les moments où la Lune va former des influences. Et puis après, je viendrai beaucoup plus en subtilité regarder les angles que la Lune elle-même va former avec les autres planètes. Parce qu'à chaque fois, ça prend une petite nuance, une petite couleur supplémentaire, et il peut être assez intéressant pour des influences assez ponctuelles. Pourquoi? Parce que la Lune, on le sait, est très rapide dans son cycle, 13 degrés par jour, c'est vraiment très rapide, le Soleil, c'est 1 degré jour à peu près, et on regardera ça ensemble, et puis à la fin, je vous ferai un petit laïus, parce que c'est la nouvelle année, sur les influences qu'exerce la Lune chez nous, au niveau natal, ça va être un collector, en fonction des liens que la Lune forme avec d'autres planètes plus lentes, qui vont lui donner des colorations particulières, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on démarre. Alors, 1er janvier, la Lune est en Vierge. Donc, ici, le signe de la Vierge, ça m'arrange, je ne vous le cache pas. Lune en Vierge du 1er janvier, ben, là, 31, là, c'est le moment où je vous fais, où je vous réalise cette vidéo. Donc, mercredi 30, 31 aujourd'hui, nous sommes dimanche, jusqu'au mercredi 3 janvier, la Lune va rester en Vierge, mais elle quittera à 1h50 du matin, donc jusqu'à mercredi 3 janvier, 1h50 du matin, la Lune est en Vierge. Lorsqu'elle est en Vierge, à qui veut-elle du bien? Elle veut du bien à mes Vierges, la bonne blague, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Elle veut du bien à mes autres signes de terre, donc au niveau du moral, c'est bon pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, hein, les trois signes de terre, et par jeu d'extension, les signes avec qui on est théoriquement plutôt amis, naturellement, ceux qui sont à 60 degrés, donc de la Vierge, mes Cancers et mes Scorpions. Là, on est dans une dynamique heureuse au niveau de l'humeur, à partir du moment où vous avez des planètes dans le secteur dont je viens de parler, ça va concerner bien évidemment les planètes qui sont dans les secteurs concernés. La bonne blague. Je ne vous l'ai pas fait depuis longtemps celle-là. À partir de mercredi 3 janvier, donc on a dit 1h50 du matin, hein, la Lune passe en Balance. La Lune en Balance, elle a toujours un côté délicieux, hein, ça donne ce que j'appelle les compagnons exquis. Ce sont des profils avec qui, en général, il fait bon vivre. Je ne sais plus qui, dans le cadre d'un commentaire, m'avait fait remarquer qu'ils étaient assez câlins, voire un peu scotch, mais il y a des natures, figurez-vous, qui adorent ça. Le côté affectueux, câlin, présent, connecté à l'autre, ça a beaucoup, beaucoup de charme. Effectivement, si vous êtes très indépendant, très indépendante, ça peut finir par vous lasser, mais ceux qui apprécient, apprécient vraiment. Voilà, c'est dit. Donc, Lune en Balance, très bon, je vous ai dit, mercredi 3 janvier, à 1h50, à partir de 1h50 du matin, jusqu'à vendredi 5 janvier, à 13h40 à peu près, Lune sera en Balance, donc très, très bon pour qui? Bonne humeur pour mes balances, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux et mes deux signes associés, mes Lions et mes Sagittaires, c'est votre tour. Si vous attendiez un créneau pour connecter ceux qui sont autour de vous dans la bonne humeur, la joie, l'harmonie, le sourire et la bienveillance, on peut toujours rêver, espérons. Enfin, l'idée, c'est de donner cette impulsion-là pour avoir cet écho-là. Hein. Si on ne tente pas, on n'aura rien. Hein. C'est pareil pascalien. Voilà l'idée, donc très bon pour vous. Voilà l'hypothèse sur laquelle je vous propose de vous appuyer, en tout cas pour donner l'impulsion encore une fois. Et la donne change à partir donc de vendredi, je vous ai dit 13h40, parce que la Lune quittera ce délicieux signe de la Balance pour entrer dans un signe du Scorpion. Et puis moi j'ai une Lune Scorpion, donc c'est pas toujours un cadeau, il faut être très lucide. On peut avoir nos humeurs, nos ressentis, nos impulsions, nos affinités. Alors quand on adore les gens, mais c'est formidable, et quand on ne peut pas les voir, ça se voit comme très vite aussi. Mais bon, voilà, affinité encore une fois. La Lune Scorpion est très sensible à la bonne éducation et au fait que l'environnement, enfin ceux qui nous entourent, n'envahissent pas trop notre espace vital. C'est une Lune en signe d'eau. Elle a besoin de moments de récupération, de sas, je les appelle. Hein, c'est le point commun des Lunes en signe d'eau, que ce soit Lune en Cancer, Lune en Scorpion, Lune en Poisson. Il y a par moment, j'allais dire quasi
quotidiennement, une petite séquence durant laquelle sont des profils qui ont besoin qu'on les laisse tranquilles pour faire le vide psychique, parce que la vie intérieure est assez riche de ressentis, donc il faut pouvoir évacuer. Voilà, c'est un petit truc à connaître comme ça. Donc, très bon, à partir du moment où la Lune est en Scorpion, je vous ai dit, vendredi 13h40 jusqu'à dimanche 22h10, hein, ça reste encore, hein, à chaque fois 13 degrés fait 2 jours. Eh bien, la Lune sera en Scorpion, elle veut du bien à mes Scorpions, ça réactive vos humeurs profondes, dans le meilleur pour le pire, hein, dans les deux cas, mais dans tous les cas, l'intuition est bonne, indiscutablement. Très bon aussi pour mes Lunes Poissons et mes Lunes Cancer, là, vous prenez très bon, les aspects en trigone sont en général extrêmement porteurs, positifs et bienveillants, pas d'autre façon de les voir, tout simplement. Et puis, également, si la Lune est en Scorpion, elle veut du bien à mes Capricornes, je n'en ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent, et également, en Scorpion, à mes Vierges. Voilà, on est gagnant 2 fois cette semaine. Et puis, à partir du dimanche 7 à 22h10, hein, comme ça on termine la semaine et j'amorcerai la semaine suivante, la Lune quittera le Scorpion pour entrer en Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est la bonne humeur. Et quand Jupiter est en Sagittaire, Jupiter en Sagittaire, c'est un pléonasme, mea culpa, mea maxima culpa. Mais la Lune, quand elle rentre dans ce secteur-là, donne un boost d'énergie positive qui est en général assez bon pour le moral. Mais même si le Sagittaire n'incarne l'optimisme, je n'en ferai jamais assez de romans sur le sujet, eh bien, en tout cas, la Lune qui passe réveille ce côté-là, mais en même temps que l'optimisme, elle réveille le dynamisme. Parce que c'est un signe qui évacue en général le stress par l'action, la mobilité, la tonicité, démarrer de nouveaux trucs, donc c'est porteur, c'est positif, mais c'est très stimulant. Donc on amorcera à partir de dimanche, hein, et les premiers jours de la semaine suivante, mais j'en garde pour la semaine prochaine, et bien la Lune en Sagittaire va apporter très bonne humeur à mes Sagittaires, à mes Béliers, à mes Lions, à mes Balances et à mes Verseaux. Voilà, voilà le climat pour la Lune en tant que telle. Mais au-delà de ça, deuxième partie de cet horoscope sur lequel j'essaye d'innover, de faire des trucs un peu nouveaux, lundi 1er, la Lune formera des aspects avec d'autres planètes. Lorsqu'elle forme des aspects avec d'autres planètes, ça peut encore créer une coloration supplémentaire. En fait, l'astro, ce n'est qu'une succession de finesses. Ouais, gesticule dans mon siège. J'aime bien bouger, moi. Voilà. La Lune, lorsqu'elle sera en Vierge le 1er janvier, elle forme un trigone avec Jupiter. C'est plutôt pas mal, ça. Parce que la Lune qui incarne les humeurs, même si elle est en Vierge, c'est une tendance un peu à l'analyse, à l'observation, à la communication, le fait d'avoir le soutien d'un trigone de Jupiter permet, par le jeu de l'esprit surtout et de la fluidité communicative, de faire émerger des notions positives. Lune, l'instinct, Jupiter, l'optimisme. Ah, ça me relie un peu les deux. Quand dans le ciel, il y a un aspect positif entre les deux, c'est plutôt pas mal en général. Et puis, dans un même temps, la Lune, ben, si on regarde bien, elle formera un trigone avec le Soleil. C'est pas mal, ça aussi, pour l'équilibre. Quand je vois dans des thèmes au niveau de la naissance, le Soleil et la Lune qui sont à 60-120 degrés l'un de l'autre, en général, ça donne des personnalités, j'allais dire, naturellement plus équilibrées, parce qu'il y a harmonie naturelle entre l'extérieur Soleil, solaire et l'intérieur lunaire. Donc on arrive à intégrer, à mieux harmoniser les deux. Lorsque c'est le cas, c'est pas mal aussi pour le 1er janvier. Juste une petite subtilité pour le 1er janvier, la Lune, en début de la Vierge, formera une opposition avec Saturne. Là, Saturne qui est en début poisson, il va y traîner encore un bout de temps. C'est très lent, on le sait. Hein. Voilà. Il fait un signe en 2 ans et quelques, 2 ans, 3 mois, je crois, en moyenne. Donc, Lune opposée Saturne, qui doit faire un tout petit peu attention le 1er janvier? Alors, 1er janvier, qui doit faire gaffe? Ça va être ceux qui sont dans l'axe. On va dire quand même, premier décan Sagittaire, premier décan Gémeaux, et dans une moindre mesure, premier décan Vierge, premier décan Poisson. Voilà, tout simplement. Si les humeurs sont maussades, on pourrait imaginer parce que la communication va être entravée. Donc si on arrive à trouver des parades pour exprimer ses ressentis avec finesse, subtilité, sans prendre les choses trop à cœur, ça se passera très bien. Mais il faut avoir en tête que tout ce qui est blocage d'émotions, Lune, Saturne, peut avoir un effet pas toujours très agréable pour les cas dont j'ai parlé. C'est dit, vous êtes prévenus, tout simplement. Rien de catastrophique, la Lune étant très rapide, on le sait bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mardi 2, alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel autour de la Lune mardi 2? Eh bien, la Lune, lorsqu'elle sera toujours en Vierge, on l'a vu, va former dans un premier temps un trigone avec Uranus. Ah ah! Lune, l'instinct, Uranus, la créativité, on peut avoir plein de bonnes idées pour ceux qui vous l'avez vu, concernés par les beaux aspects de cette Lune dans le signe de la Vierge dont je parlais au départ. Mais elle formera aussi une opposition à Neptune, donc hyper sensibilité dans un même temps. Mais
aussi un carré avec Mercure et Mars. Donc mardi 2, faire gaffe à ce qu'on dit. Lune carré Mercure, parfois les propos peuvent aller plus vite que la pensée. Et lune carré Mars, les humeurs peuvent être assez variables et l'impatience aussi. Bon, mardi est un petit peu plus subtil au niveau des influences. Mercredi, lune trigone Pluton. Lune trigone Pluton, moi j'aime bien lune trigone Pluton, parce que Pluton étant celui qui nous génère beaucoup d'appréhension, d'angoisse et de peur instinctive, le fait que la lune lui veuille du bien, forme un trigone, hein, enfin, on le sait, Pluton jusqu'au 20 janvier, il est à la fin du Capricorne, donc il frôle début Verseau. Quand la lune est à la fin de la Vierge, ben, elle forme un trigone avec Pluton, et donc au niveau de la capacité à assimiler nos angoisses profondes, c'est pas mal. On arrive à apaiser les choses, ce qui est globalement plutôt positif. Voilà, je dis ça. Carré Soleil-Lune. Carré Soleil-Lune. La bonne blague. C'est une demi-pleine Lune, jeudi. Voilà. Hein, le Soleil sera toujours en Capricorne, la Lune en Balance, toujours. Hein, donc il y a un carré, il y a une demi-opposition. Donc tous ceux qui ont des planètes dans le second décan du Bélier, de la Balance, du Capricorne et du Cancer, faites gaffe, jeudi, les humeurs risquent d'être un peu variables. Vendredi, j'ai des sextiles entre la Lune, qui est toujours à la fin de la Balance de mémoire, et Mercure et Mars qui sont à la fin du Sagittaire, donc c'est pas mal, la communication est plus fluide. On a davantage, avec le lien Mercure-Lune, une capacité à être plus rapide dans l'analyse et plus fin dans l'expression et dans l'assimilation, ça va dans les deux sens. Et quand l'aspect de la Lune est avec Mars, c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'être meilleur dans les, comment on va appeler ça, dans le gestuel, dans la réaction, dans l'action, tout simplement. Hein. Instinct-action, pas mal. Quand l'aspect est heureux, il faut prendre. On arrive à samedi, et qu'est-ce qu'il y a ? Ben, la Lune, quand elle sera en Scorpion, elle forme une opposition avec Jupiter, donc le moral en yo-yo. Hein, attention pour mes Scorpions, mes Taureaux, mes Lions et mes Verseaux. C'est limite, mais en même temps samedi, la Lune formera du coup en Scorpion un trigone avec Saturne, donc pour la sagesse c'est bien, pour maîtriser ses émotions c'est pas mal, et puis dimanche prochain la Lune sera au trigone d'Uranus, ben oui si elle fait, non elle sera opposée à Uranus, si elle arrive fin Scorpion opposée à Uranus, donc là aussi attention dimanche prochain, pas de décision tranchée dimanche 7, là si vous êtes en famille envoyez pas tout balader. C'est une hypothèse, hein, elle est peu probable, mais sait-on jamais. Hein, tout ce qui est dans la vie intime, pas de précipitation. En même temps, un trigone avec Neptune, donc l'intuition pour mes Scorpions, mes Cancers, mes Poissons va être plus accentuée. Et également pour tous ceux qui ont des planètes en signe de terre, vous êtes joués, vous êtes concernés aussi. Voilà. Et puis pour la semaine prochaine, je vous en garde, parce que ça évolue en permanence. Moi, je trouve intéressant, même si c'est des micro-phénomènes, même si ça n'agit que quelques heures, d'avoir toutes ces finesses que personne ne fait, en fait. Parce que c'est, faut se les taper, hein, les calculs pour les lunes, les machins, etc. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est mon truc. Hein. Pas de problème avec ça. Et puis, je voudrais terminer par vous donner des petites colorations, comme ça. Hein. Pourquoi je vous ai dit que c'était un collector ? C'est que je vais vous parler des influences natales, mais très succinctement, parce que je ne vais pas rentrer dans ce que je fais dans les cours. Là, je vous le fais un rapide, comme ça, pour vous donner le goût, pour vous donner envie. Lorsque j'ai dans le ciel natal des liaisons entre la Lune et Jupiter, ça joue sur l'humeur positive en général. Même les aspects tendus vont donner des variations, mais en général, ça joue sur les humeurs. Hein. On a un côté positif qui est persistant. Les liens entre la Lune et Saturne, ça peut engendrer de la mélancolie. Il faut se méfier, il y a des freins des émotions, les enfances un peu difficiles, les blocages, le manque de confiance en soi, la difficulté à exprimer son affect. Les Lunes conjoint Uranus, ça peut donner des changements de domicile rapides ou des prises de position un peu vives, un peu originales, un peu créatives, un peu rebelles. Les liens entre la Lune et Neptune, alors ça, c'est les mystères de l'inconscient. Je crois que c'est Hadès, j'avais un bouquin de lui, Lune-Neptune, les mystères de l'inconscient, c'est pour ça que j'ai ça en mémoire. Des profils particulièrement intuitifs, Lune-Neptune. Ils sentent les choses redoutables. Parfois, on peut se laisser envahir un peu de manière exagérée par tout ce qui nous environne, les Lunes-Neptune. Moi, je suis né avec une Lune-Neptune, je dois faire gaffe à ne pas me laisser trop envahir émotionnellement, à garder la bonne distance. Et puis les lunes Pluton, ben, ce sont mes inquiets, hein, ceux qui sentent les trucs, ont besoin de contrôler un peu, qui eux ont vraiment une trouille de se faire envahir leur espace vital. Voilà, je voulais vous raconter. Et puis comme on était dans la Lune et que c'est la nouvelle année, je vous ai attrapé deux petites citations qu'on m'a, avec beaucoup d'amour, fait parvenir sur la chaîne, parce que j'adore ça, ça me fait super plaisir. Donc la première citation, j'essaie de trouver des liens. Hein. Alors la citation, il semblerait que ça soit de Monique Moreau, je ne l'ai pas vérifiée, mais j'ai confiance dans celle qui me l'a fait parvenir. Elle dit « Écoutez la voix de son cœur ». C'est trouver le chemin du bonheur. Je la trouve absolument délicieuse, je l'adore. Et une autre qui, semble-t-il, a été écrite par Edmond Rostand, c'est « La nuit ». Qu'il est beau de croire dans la lumière. Moi, j'aime bien, parce qu'il y a toujours, chaque fois qu'il y a un doute, il y a un pari pascalien qui consiste à dire, ben, si on fait ce qu'il faut, si on est positif, ben, demain, ça ne peut
qu'elle est mieux. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette nouvelle année que je vous souhaite bonne, hein, et puis elle sera ce qu'on en fera, tout simplement. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements qui repartent, ça me fait super plaisir. Pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble, parce que c'est interactif en fait. Moi je suis heureux de faire ce que je fais, parce qu'il y a une interaction. C'est hyper agréable. Merci encore et à très vite. Et plein de bonnes choses encore que je vous prépare pour cette année. Merci.